Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ici au Centre National de Clairefontaine avec Pierre Jacqui, ancien sélectionneur de l'équipe de France de futsal. Merci Pierre d'être à mes côtés. Bonjour Guillaume. Pour un événement d'envergure aujourd'hui. C'est la première édition de la Copa Coca-Cola. Événement d'envergure pour le futsal évidemment, pour nos joueurs, nos joueuses également. Et ça, c'est important de le souligner. C'est une compétition qui a réuni plus de 300 équipes depuis le mois de juin, Pierre. Et c'est un événement qui aujourd'hui vit son dénouement, mais qui nous a passionnés pendant de longues semaines. Oui, c'est une grande fête surtout. Et puis c'est une première, plus d'un titre, une première finale d'une compétition outdoor qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent en France. Et une première, puisque la première compétition nationale en France pour le futsal féminin. Donc c'est le vrai lancement du futsal féminin aujourd'hui. Et on aura la finale féminine que l'on commentera ensemble d'ailleurs, Pierre, à 17h tout à l'heure, avec Nantes grande favorite pour le titre. On verra ça tout à l'heure pour ce programme. Finale féminine, finale masculine, juste derrière pour le programme que nous allons vous proposer. Évidemment, donc vous restez avec nous. Juste avant, on va vous proposer un reportage parce qu'il y a eu dans cette compétition une phase départementale suivie d'une phase régionale. Phase régionale, exactement, ça s'est passé à Chassieux. Reportage tout de suite, c'était entre le 21 août et le 12 septembre dernier. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, on est à Chassieux, donc sur le terrain de futsal extérieur, pour la finale régionale de la Copa Coca-Cola. Pour l'objectif d'une telle initiative, essentiellement, c'était relancer la pratique, notamment futsal, puisqu'ils n'ont pas pu pratiquer pendant longtemps dans les gymnases. Donc c'était une manière de relancer un peu la pratique, certes en extérieur, mais avec les règles et les lois du futsal. Ça fait plusieurs mois là avec le Covid, c'est un peu compliqué, donc oui, bien sûr on est toujours content de retrouver les terrains. Ça fait un moment ouais, que tout le monde un peu attend, mais ouais, ça fait plaisir de retrouver un petit peu le terrain sous un beau soleil comme aujourd'hui. Ça commence à jouer pas mal, ouais. Il y a 2-3 belles équipes, des beaux joueurs de la région. Donc ça va être un bon tournoi. On remercie Coca et la FFF pour ce tournoi. Et puis on verra si on va à Clairefontaine ou pas. Merci Coca. On les remercie fortement d'avoir organisé tout ça. Rendez-vous à Clairefontaine pour la finale. Pour la journée, on a eu de la chance parce qu'on a eu grand soleil. Donc pour le futsal extérieur, c'est quelque part obligatoire. Ce que je retiens, c'est que l'ensemble des équipes ont apprécié, se sont fait plaisir. Et c'est le plus important quand on joue, c'est de s'amuser, de se faire plaisir, de marquer des buts. Donc plutôt une belle journée. Elle était passionnante, cette phase régionale, on va pas se le cacher, et elle concernait quand même, on va le dire, Pierre, elle concernait plus de 3000 joueurs, joueuses et entraîneurs. Pour cette compétition qui concerne aussi des équipes de loisirs. Hein. C'est-à-dire que moi, je pouvais arriver avec mon équipe personnelle et je pouvais participer à cette Copa Coca-Cola. Il suffisait d'être licencié à la Fédération Française de Football, en club libre, donc de foot, ou en club spécifique futsal. Voilà, c'était ouvert à tous. Une compétition qu'on a mis en place au dernier moment par rapport à la pandémie. On ne pouvait pas jouer au futsal toute la saison dernière. Alors dès qu'on a eu une fenêtre d'ouverte au mois de juin, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on propose quelque chose. On a eu un partenariat à ce moment-là vraiment tombé du ciel avec Coca pour mettre en place sur 3 tours, une phase de district, une phase de finale de ligue. Et là maintenant une finale nationale réussie. Voilà, c'est sortir aussi un petit peu le futsal de la tradition hivernale. On joue souvent au futsal comme repli parce qu'il fait froid, alors qu'en fait c'est une discipline à part. Et le fait qu'on l'ait pratiqué là sur une période estivale en est la preuve. Première édition de cette Copa Coca-Cola organisée par la 3F, la Fédération Française de Football. Et vous l'avez souligné, Pierre, en partenariat avec son
partenaire historique, si j'ose dire, Coca-Cola. Évidemment, on a eu le loisir, on a eu le plaisir tout à l'heure d'ailleurs de discuter un petit peu avec la présidente de Coca-Cola France. Elle est présidente depuis 2020, Paige Guyot. Elle est américaine, arrivée il y a un an, et elle a d'abord répondu à la question suivante. Pourquoi avoir organisé cette première édition ici à Clairefontaine? Écoutez. Alors déjà bonjour, donc on est ravis d'être en partenariat avec la FFF et donc ça représente une façon de soutenir notre partenariat avec la FFF et aussi de soutenir les joueuses et les joueurs pour retrouver en fait le match de foot après une année et demie qui était assez difficile. Donc on est vraiment ravis d'être partenaire de ce match. Que représente cette compétition pour votre entreprise ? Alors, ça représente vraiment nos valeurs d'entreprise, nos engagements sociétaux. Le fait que ça soit à la fois des hommes qui jouent, mais aussi des femmes. Donc, ça représente aussi nos valeurs de diversité et d'inclusion. Et on a pu en profiter pour offrir deux chèques de 10 000 euros pour soutenir les clubs, le développement des clubs pour ce jeu. Quel résultat pour vous pour cette première édition? Première édition ici à Clairefontaine, hein, en France, on le rappelle. Alors ça a été un grand succès, on trouve. Alors déjà, c'est le plus gros tournoi qui a déjà eu lieu en France. Il y a 3000 personnes qui ont pu participer malgré les circonstances Covid, parce qu'on a suivi quand même avec la situation sanitaire, on a été très prudents. Aussi, c'est le premier match féminin qui se passe en France. Donc on est très très content des résultats en fait. On est de retour au centre du football de Clairefontaine, toujours avec Pierre Jacquy, ancien sélectionneur de l'équipe de France de futsal entre 2004 et 2021. C'est pas trop dur là de passer à vos nouvelles fonctions? Alors maintenant vous gérez un petit peu toutes les sélections nationales, hein, Pierre. Ce nouveau costume vous plaît aussi? Oui, bien sûr. À un an de la retraite, le DTN, Hubert Fournier, m'a chargé de faire la coordination des trois sélections pour passer la main le plus proprement possible et qu'il y ait un maximum de liens, de continuité entre les trois sélections, les U19, les U21 et l'équipe A. On vous remercie encore une fois d'être avec nous ce dimanche, évidemment, pour suivre cette première édition de la Copa Coca-Cola. On vous rappelle le programme: finale féminine 7 à 17h. Pierre, vous avez noté, hein, 17h pour la finale féminine et puis juste derrière la finale masculine. On a écouté la présidente de Coca-Cola France il y a quelques minutes, Paige Guyot. On va écouter Philippe Lafrique, désormais membre du comité exécutif de la Fédération française de football en charge du futsal, qui s'est félicité d'ailleurs de l'arrivée du futsal de la D1 sur Futsal Zone, hein. C'est un des événements aussi dont on peut vous parler aujourd'hui. On l'écoute tout de suite, Philippe Lafrique, à l'occasion de cette première édition de cette phase finale ce dimanche à Clairefontaine. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. À Clairefontaine. Merci pour pour une belle actualité futsal qui se déroule aujourd'hui. Donc pouvez-vous, avant qu'on en vienne à cette actualité, nous dire comment va le futsal aujourd'hui? Alors le futsal en France se porte ma foi pas mal. J'aurais eu tendance même à dire que tous les voyants sont au vert s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Mais bon, je pense qu'on va être très optimiste avec la reprise notamment de nos championnats nationaux ce week-end, la D1 et la D2. Les ligues qui recommencent à travailler avec les districts qui remettent en place les organisations pour la nouvelle saison. Donc je crois qu'on est bien parti pour poursuivre la montée en puissance du futsal avec nos 32 000 licenciés actuels, qui représente quand même une augmentation de 12% chaque année. C'est le taux de licence qui augmente le plus d'ailleurs. Donc allez, les voyants sont au vert, on va être optimiste. Super, et donc là nous sommes sur le premier week-end du lancement de la D1 et de la D2 pour cette saison. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, tous les amateurs de futsal attendaient avec beaucoup d'impatience la reprise de nos championnats nationaux. On se rappelle que la D1 a eu la chance de jouer l'an passé grâce à une autorisation du ministère, mais malheureusement pas la D2. Donc la grande nouveauté de cette nouvelle saison, c'est effectivement le diffuseur que la fédération a pu trouver. Donc Futsal Zone va diffuser pendant 5 ans l'ensemble de nos compétitions, nos championnats de D1 et toute l'actualité futsal. Donc là, c'est vraiment une grosse nouvelle pour la fédération.
une très bonne nouvelle. Donc. Et aujourd'hui, nous sommes réunis à Clairefontaine donc, pour la Copa Coca-Cola. Parlez-nous un petit peu de ce nouveau tournoi amateur. Alors déjà, on est très très content de nous être associés à Coca-Cola, effectivement, pour cette première manifestation. Coca-Cola est un grand partenaire de la fédération, mais jusqu'à présent a été au niveau du futsal avec notre équipe de France. Et là, il va arriver à toucher l'ensemble du monde amateur. Précision quand même importante, c'est 3000 joueurs sur cette première année d'épreuve de Coca-Cola Futsal Cup, donc 3000, et avec l'intérêt aussi, c'est qu'on a des féminines et des garçons. C'est-à-dire que pour la première fois, sur ce grand tournoi, le plus grand tournoi de France, on aura aussi un tournoi féminin. Et ça, c'est vraiment une très très belle nouvelle pour la fédération et pour le futsal. Membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football en charge du futsal, de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'était il y a un petit peu plus d'une heure, évidemment, sous le soleil de Clairefontaine, ici au centre du football, toujours avec Pierre Jacqui. Vous êtes installé là, Pierre, tout va bien? Oui, oui. Oh, bah, vous pouvez parler là, vous êtes, vous êtes on air. Parfait. Comme on dit, c'est-à-dire qu'on voilà. Peut vous entendre. On s'est assis à notre poste de commentateur pour commenter dans maintenant une grosse dizaine de minutes les deux finales que nous allons vous proposer. 17h, la finale féminine, rappelons-le, entre Nantes et Chassieux, les Nantaises. Impressionnante depuis le début de la saison, hein. Depuis le début de la journée dans cette phase finale. Oui, d'autant plus qu'elles ont joué contre l'équipe de Chassieux qui était dans la même poule au départ, hein, puisqu'on a effectué derrière des demi-finales croisées. Donc c'est une espèce de match revanche pour l'équipe de Chassieux qui avait perdu 3-0 tout à l'heure dans le match de poule. Mais voilà, sur un match, tout est possible. Mais c'est vrai que les Nantaises ont fait forte impression tout à l'heure. Finale féminine dans quelques minutes, Nantes-Chassieux, la finale masculine mettra aux prises Rennes à Toulon. Avant cela, une courte pause et on se retrouve ici au centre du football à Clairefontaine pour ces finales de la Copa Coca-Cola. Tout de suite. Try it first. Retour au foot, retour sur tous les terrains, retour au four et au moulin, retour aux sources, retour aux douches, retour aux coupes et aux copains, retour au club des alentours et à tous ceux qui tournent autour, retour des dimanches matins, retour des pieds et des mains, retour des mains courantes et des mains froides, des grands discours et des petites phrases, des quatre quarts et des quarts de finale, retour des tableaux blancs, des hommes en noir. Autour des filets qui tremblent, des filles et des volets qui se tentent, des grilles et des chasubles qui sentent, des lignes et des terrains glissants. Retour à 11, retour à 7, retour à Vierzon, retour à 7, retour des victoires et des défaites. Un jour on rate, un jour on essaye. Retour des grands et des petits gestes, retourner petits ponts et têtes. Retour des bruits de vestiaire, autour des mots qu'on se répète. Retour des jaunes, retour des rouges, retour des bleus. Les souvenirs courts autour des yeux. Retour au foot. Les finales de la première édition de la Copa Coca-Cola dans quelques petites minutes, avec la finale féminine entre Nantes et Chassieux, suivie de la finale homme entre Rennes et Toulon, avec l'analyse dans quelques minutes de Pierre Jacqui, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de futsal entre 2004 et 2021. Avant cela, en musique, ce show freestyle que l'on vous propose, et on part juste derrière sur la finale féminine.
Eh bien voilà, voilà un sacré show freestyle quand même, auquel nous avons assisté. Oui, qui va bien avec le côté festif qu'on veut donner à cette journée. Parce que c'est une discipline évidemment hautement spectaculaire qui va être, et ça c'est la bonne nouvelle hein, de ces dernières semaines, qui va être plus mise en lumière puisqu'on sait qu'il y a ce partenariat avec Sportall hein, sur futsalzone.tv pour ne rien rater de la D1 masculine avec des grandes équipes évidemment comme Toulon, comme Nantes, comme le Sporting Club Paris, comme Paris Akaza également. Donc il y a sacrées équipes, vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, tous les matchs seront retransmis et puis il y aura un top match tous les week-ends avec 4 ou 5 caméras, donc de quoi satisfaire tous les fans de futsal. Exactement, pour cette nouvelle saison, ce championnat de France 2021-2022 qui s'est ouvert hier, partenariat qui va durer 5 ans entre la Fédération Française de Football et donc futsalzone.tv. Voilà ce qui nous intéresse le plus évidemment, Pierre, le début, la première finale féminine qui va commencer dans quelques instants. En bleu, ce sera l'équipe de Nantes emmenée par Christophe Benmaza, l'entraîneur de cette équipe qui, effectivement, on en parlait Pierre ensemble, nous a impressionné depuis le début de la journée, depuis le début de cette phase finale. Et puis en blanc, l'équipe de Chassieux qui ne partira pas favorite, mais sur un match, tout est toujours envisageable évidemment. Chassieux donc qualifié pour cette grande finale. On rappelle qu'il y a une belle petite récompense quand même pour les deux clubs qui vont remporter la compétition, 10 000 euros destinés à financer un projet de développement du club. Exactement, c'est pas juste une prime financière, c'est vraiment l'accompagnement de leur projet de club hein, pour une structuration plus importante. La musique retentit ici au Centre National du Football à Clairefontaine pour cette première finale de cette Copa Coca-Cola. Première édition finale féminine, Nantes contre Chassieux. On vous rappelle un petit peu, alors avec des règles un petit peu changeantes, on sait qu'en championnat c'est 2 fois 20 minutes, cette finale va se dérouler en 2 fois 8 minutes, dites-moi si je me trompe Pierre, mais c'est 2 fois 8 minutes, le chrono n'est jamais arrêté. Et avec le chrono qui n'est pas arrêté. 3 minutes de pause entre les deux mi-temps, et puis 15 minutes d'écart, sachez-le, entre les deux finales. Donc voilà, finale féminine tout d'abord et finale masculine ensuite. En blanc, les joueuses de Chassieux, regardez, il y a des sourires, elles sont a priori de ce que l'on voit déjà très heureuses de s'être hissées donc jusqu'à la finale. Et c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire pour elles, même si encore une fois. Il y a des sourires évidemment, parce qu'on le rappelle, hein, il y avait plus de 350 équipes amateurs qui ont participé à cette compétition à partir du mois de juin dernier. Voilà, 2 fois 8 minutes, ça va commencer dans quelques instants, le chrono n'est jamais arrêté. Quelques salves d'applaudissements parce qu'elles ont fait un paquet de matchs pour s'inviter en finale, ces deux équipes quand même, Pierre. Hein. Tout à fait. Donc, elles étaient dans des poules avec Rennes, Tanguay-Libron, Saint-Jean-de-Bray, le Sporting Futsal Besançon, des matchs hautement disputés, même si le niveau était un peu plus hétérogène que chez les garçons. Mais de bon augure quand même pour la suite. On espère vraiment donner le grand coup de lancement de cette discipline-là avec cette journée. En sachant qu'en UNSS, le futsal féminin marche déjà très bien. On est une des hausses les plus importantes chaque année. Et le futsal féminin est en train vraiment de faire sa place au sein des activités qui sont proposées dans les établissements scolaires, ce qui est souvent la base pour nous, hein, pour essayer de créer un socle, un vivier suffisamment important pour qu'on puisse monter dans tous les districts en France des championnats annuels. Donc nous avons encore beaucoup de joueuses qui jouent au foot et au futsal, et on espère, comme à Nantes, qu'il y ait un maximum de clubs qui proposent une offre de futsal tout au long de l'année.
Le coup d'envoi va avoir lieu dans quelques instants donc sur ce terrain où va avoir lieu les deux finales, finale féminine et finale masculine. 2 fois 8 minutes dans cette rencontre entre Chassieux en blanc, Nantes en bleu. On rappelle que s'il y a 0-0, enfin qu'il y a 0-0 ou un partout ou deux partout, bref, on peut aller comme ça jusqu'à 9-9. Match nul, s'il y a match nul à l'issue du temps réglementaire, nous irons vers une séance de tir au but avec 3 tirs au but pour chaque formation. Voilà, tel est le règlement pour cette première édition de la Copa Coca-Cola organisée par la Fédération Française de Football en partenariat avec Coca-Cola. Vous entendiez d'ailleurs tout à l'heure Paige Guyot, la présidente de Coca-Cola France, très heureuse de ce partenariat et de cette première édition ici au Centre National du Football à Clairefontaine. Un petit mot peut-être sur les coachs, sur Christophe oui. Benmaza, qui a déjà coaché les garçons à Nantes, qui est figure marquante, on va dire, du projet nantais, qui ne se limite pas seulement d'ailleurs à des garçons et à des filles, mais en termes de jeunes, de liens avec les établissements scolaires, les universitaires, le projet nantais est vraiment intéressant. En face, nous avons Rachida Majri, qui elle est importante également dans le projet qu'ont eu ces filles de venir ici et peut-être là tout à l'heure de créer la surprise. Allez, c'est parti Pierre, on va se concentrer sur cette première finale féminine avec Chassieux, donc on l'a dit, en blanc, et l'équipe de Toulon, de Nantes, pardonnez-moi, en bleu, avec des Nantaises qui effectivement sont sur le papier favorites. Un premier ballon, une première remise en jeu là pour Chassieux, 5 contre 5 pour les non-initiés. Attention à ce ballon et les Nantaises qui vont essayer de relancer le jeu désormais. Voilà Dani Agouga qui a intercepté. Dani Agouga, la numéro 3 de Chassieux, qui a quand même impressionné les spectateurs durant les matchs de poule. Une fille vraiment intéressante, qui est très proche, on va dire, du niveau des Nantaises pour ses qualités tant techniques que physiques ou tactiques. Ouais, et il y avait une belle petite opportunité pour les joueuses là de Chassieux. Ça a été bien défendu par des Nantaises. Vous avez raison effectivement de souligner les joueuses qui se sont illustrées, Pierre, depuis le début de la journée, parce qu'il y a évidemment un vivier intéressant. Attention, là, un petit peu, ça emmêlé les pinceaux, la joueuse de Nantes, en l'occurrence Morani Chek, qui va rejouer là avec Moule dans la surface de réparation avec cette très bonne séquence défensive proposée par l'équipe de Chassieux. Un joli... jolie intervention défensive de la part de la numéro 4, Keltoum Nouri. Attention à cette frappe, la bonne intervention de la gardienne qui doit relancer, on le rappelle, à la main, obligatoirement en futsal. La frappe, le point sur sortie de but. Sur sortie de but, l'obligation de la main, suite à un arrêt, vous pouvez choisir. Ballon encore une fois pour Nantes, là, avec Catherine Mouille. Ce ballon sur le côté droit pour Landais, Jennifer Landais. Dépossédé du ballon à la régulière, ça repart du côté de Chassieux. Meryl Cilia avec Titraoui dans la profondeur. Le ballon qui va sortir, les remises en jeu, on vous le rappelle, également effectuées au pied en futsal. Ballon sur la ligne. Ballon sur la ligne. À l'arrêt. Exactement. Vous avez 4 secondes pour exécuter la touche. Et les adversaires doivent se retrouver à 5 mètres. Sinon c'est coup franc, si vous dépassez les 4 secondes, coup franc pour l'équipe adverse. Balle à l'équipe adverse. Balle à l'adversaire, exactement. Ballon toujours confisqué par les Nantaises avec une belle passe dans la surface de réparation. C'est une action d'école qui pourrait se conclure par un premier but peut-être. Oui, il va rentrer. Il va rentrer ce ballon et les Nantaises qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Baldé, je pense. Fatoumata Baldé. Oui, qui est, je pense, la buteuse de l'équipe. Je pense que c'est elle qui a marqué le plus de buts des Nantaises depuis les débuts de la matinée, qui a commencé à 8h30 ce matin. Elles sont à leur 7e match. Et la numéro 2, Baldé Fatih, a beaucoup impressionné par ses qualités techniques. Et pas seulement de buteuse, je pense que c'est également la meilleure passeuse de la journée. La numéro 2 de cette équipe de Nantes qui commence idéalement cette finale. Les Nantaises mènent 1-0. Le bon ballon dans la profondeur pour Baldé qui n'a pas réussi son contrôle. Relance à la main de la gardienne de Chassieux. Mais elles ont du mal à développer leur jeu, les joueuses en blanc pour le moment.
Oui, les Nantes pressent. Elles sont maintenant sur un bloc peu plus médian, mais on voit que Chassieux a du mal à se donner de la profondeur. Ouais, et beaucoup de longs ballons qui ne trouvent pas preneuse. Attention à Baldé qui va sauver ce ballon de la sortie de but. Baldé qui récupère, qui va avoir le coup de pied de coin là, pour la numéro 2 qui est bien dans sa finale. Fatoumata Baldé pour le moment, buteuse, unique buteuse dans cette finale féminine. Où il reste, vous le voyez, 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes dans cette première période. Baldé pour frapper ce coup de pied de coin, joué en deux temps avec Catherine Mouille. Voilà, ce serait une nouvelle fois une remise en jeu. Les touches, les corners sont spécialement importants au futsal. Comme on est proche du but, beaucoup de buts marqués sur coup de pied arrêté, la moitié des buts ou presque en coup de pied arrêté, voire... en power play, ce qu'on appelle en gardien volant en fin de match, en des situations on va dire très tactiques qui sont très prisées en futsal pour se départager. Récupération du ballon, Moraniček pour le Nantes Métropole Futsal dominateur. C'est le moins qu'on puisse dire. 1-2-1 avec une meneuse derrière, deux ailières sur les côtés et puis une fille en pivot pour donner de la profondeur. Et la belle incursion là encore une fois de Baldé dans la surface de réparation. On va essayer de repasser derrière peut-être. Est-ce qu'il y a une faute? Non, pas de faute. L'arbitre qui laisse jouer. On va retrouver la capitaine qui voulait donner un excellent ballon à Baldé. Il n'est pas arrivé à destination et malheureusement Chassieux qui perd beaucoup trop rapidement le ballon. Alors, le score n'est que de 1-0, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu la physionomie du match, c'est un peu à sens unique, Pierre, là, pour l'instant. Oui, mais Chassieux a toutes ses chances. Je pense qu'elles attendent l'un ou l'autre contre. Tant qu'on ne perd que 1-0, je pense qu'elles peuvent encore largement espérer. Elles ont réussi à faire des matchs de poule vraiment très intéressants. Et voilà, ce n'est pas fini. En futsal, de toute façon, ce n'est pas fini. À partir du moment où tout se passe devant les buts, ça peut aller très très vite. Même si le temps n'est pas arrêté, comme ça l'est, on va dire, oui, dans des matchs habituels. Ah, c'est vrai que ça va aller très très vite. Hein. On vous l'a dit, 2 fois 8 minutes, le chronomètre n'est jamais arrêté. Donc dans ces deux finales, finale féminine suivie de la finale masculine dans quelques petits instants. Ballon pour la numéro 4 de Chassieux, Nourri, Keltoum Nourri, qui n'est pas parvenu à trouver une coéquipière dans la surface de réparation. On va confisquer le ballon, il est sorti ce ballon, mauvaise transmission à l'instant pour Jennifer Landais. Allez, il faut essayer de mettre en danger, de porter le danger sur le but adverse pour Chassieux. Peut-être sur cette frappe lointaine de la numéro 7, ce sera un petit peu compliqué. La passe n'est pas arrivée à destination, il y a une possibilité de contre là pour Nantes avec un excellent ballon pour Baldé, le deuxième but non, parce qu'il y a cette excellente gardienne du côté de Chassieux qui va devoir se replacer maintenant. C'est chose faite. Le futsal est un jeu de transition. Hein. Quand vous interceptez, on est très vite devant le but. Il faut juste faire attention de ne pas se faire contrer le contre. Hein. Donc être très, très réaliste et d'arriver à finir les actions sur contre. Voilà, c'est peut-être ce type de ballon où Chassieux peut avoir sa chance en jouant des transitions au mieux. Mauvais espace malheureusement pour Chassieux de Sanat Titraoui. Même si la remise en jeu est toujours pour Chassieux avec Nourri sur le côté droit. C'était une très très belle transmission là, surprenante, pour trouver à l'entrée de la surface Meryl Cilia qui malheureusement n'a pas trouvé le cadre pour Chassieux. On en reste à 1-0 et ça va être la fin de la première période dans quelques petits instants dans cette finale féminine de la Copa Coca-Cola première édition, on vous le rappelle. Compétition d'envergure, plus grande compétition en ce qui concerne les équipes féminines. Première fois qu'il y a une compétition de cette envergure qui est organisée. Attention, Baldé, c'est pas mal fait, le coup de sifflet. La fin de la première période avec Nantes qui mène, mais qui ne mène effectivement qu'un but à zéro avec un but inscrit par Fatoumata Baldé. Voilà, c'est confirmé par le speaker, on ne s'était pas trompé. 3 minutes de pause.
domination assez nette quand même de la part des Nantais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pierre, là, de cette première période? Oui, maîtrise du jeu des Nantais, mais à 1-0, tout reste à faire et tout reste ouvert pour Chassieux. Il y avait un petit débordement au niveau du temps. On laisse la possibilité aux arbitres sur des coups de blessure ou si éventuellement on met trop de temps à remettre le ballon en jeu, de laisser un peu comme au foot une petite prolongation dans ce cas-là. Les joueuses de Chassieux, elles sont déjà de retour. Hein. Elles se sont déjà repositionnées pour le début de cette seconde période. Il est 17h10. Nous sommes bien au Centre National du Football à Clairefontaine en Yvelines. Ces deux finales masculines et féminines de la Copa Coca-Cola. Les Nantaises avec cet entraîneur que vous citiez, dont vous rappeliez l'excellent travail, Christophe Benmaza. Ici avec ses joueuses. Pour nous, cette compétition est vraiment importante. C'est la première compétition, comme je vous l'ai dit, féminine, de futsal féminin en France. On va s'en souvenir, ça sera un jour historique, parce qu'on espère mettre derrière une compétition plus en profondeur, un véritable challenge à partir de la saison 2022-2023. On l'aurait peut-être fait avant aussi s'il n'y avait pas eu la pandémie. Et je pense que ça peut être vraiment une compétition bien suivie qui va porter ses fruits même au niveau international. Parce que si les Espagnols et les Portugaises dominent au niveau européen, on peut vite être à une troisième place. Il y a vraiment un coup à jouer pour nous dans le futsal féminin. Je pense qu'on lancera sûrement une équipe de France si le challenge féminin est une réussite. Dans la foulée, peut-être en 2023-2024, il y aura une équipe de France. Et dans le paysage européen, on aura tout de suite un coup à jouer. Avec de nombreuses filles aussi des pôles de foot qui ne réussissent pas, qui ne font peut-être pas chaussures à leurs pieds en D1 ou en D2 et qui à ce moment-là pourront se rabattre sur le futsal. Voilà d'excellentes nouvelles que vous nous apportez. Bon, il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais c'est vrai qu'on est sur la bonne voie. Hein, on est sur la bonne voie du développement du futsal féminin. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait dans l'équipe de Bastia deux internationales, ex-internationales de foot qui évoluaient. Donc, on peut penser qu'avec comme Sandrine Dussan et Sandrine Bretigny, d'autres peut-être bonnes joueuses de foot peuvent se mettre au futsal. C'est reparti, vous l'aurez remarqué dans cette deuxième période, joliment fait là, de la part de la joueuse de Chassieux qui malheureusement a manqué un petit peu de lucidité au moment de servir sa coéquipière Sana Titraoui. C'était Meryl Cilia qui avait fait un joli numéro. 8 minutes pour revenir maintenant pour Chassieux dans cette finale. Effectivement, vous l'avez rappelé, il n'y a que 1-0 et en futsal, lorsqu'il reste 7 minutes 30, tout est encore ouvert. C'est le moins que l'on puisse dire. Cilia, bien en jambe visiblement dans cette seconde période avec une tentative de frappe, la bonne sortie de la gardienne Flavie Papin. Ça nous rappelle évidemment, alors c'est pas de la famille, hein, mais ce nom-là évoque en nous de merveilleux souvenirs hein, quand on s'appelle Papin et qu'on fait du football ou du futsal. Le rôle de la gardienne est particulièrement important au futsal, puisque dans les compétitions de haut niveau, les gardiens, gardiennes arrêtent jusqu'à 90% des frappes adverses. On dit que c'est la moitié de l'équipe. Alors, en fait, c'est un cinquième, mais le cinquième de l'équipe, c'est déjà plus qu'un onzième au foot à 11. J'allais dire, un petit peu à la manière d'un gardien en hockey sur glace aussi. Peut-être. Ces taux de réussite. Titraoui, vous aurez remarqué que en ce début de seconde période, les joueuses de Chassieux là vont peut-être égaliser avec. Il aurait fallu remettre ce ballon derrière, il y avait une bonne possibilité, mais elles poussent, elles sont revenues avec des intentions de jeu. Elles n'ont rien à perdre. Cette frappe lointaine sur le but là de Flavie Papin du Nantes Métropole Futsal. Oui, une bonne frappe. Beaucoup de frappes au futsal, comme on est sur des buts rapprochés, donc il n'est pas rare de voir des équipes faire attention, Baldé, le deuxième peut-être, Baldé qui va s'y reprendre deux fois, trois fois. Non, finalement, c'est la défense de Chassieux qui va pouvoir se dégager, mais on n'était pas loin du deuxième but. Non, quel joli geste technique là de Baldé qui en a fait un petit peu trop là à l'instant. Les changements illimités, évidemment, on le rappelle, il y a la numéro 5 qui va rentrer du côté de Chassieux, Alexia Bourg, voilà, qui est rentrée, il faut juste respecter une zone...
Sur le terrain, une zone de 5 mètres. À 5 mètres de la ligne médiane, il y a après une bande de 5 mètres dans lesquelles se font les changements. Le coup de pied de coin là pour Nantes qui mène toujours 1-0, 5 minutes 35. La frappe tentée par Amandine Conan. Et ce corner encore, c'est bien joué. Ça repasse derrière avec un tir en première intention. On était loin, on était aux 10 mètres. Frappe écrasée. Et relance à la main de la gardienne de Chassieux. Ah, dommage. Elle voulait réaliser là, un contrôle orienté Alexandre Ferrari pour éliminer son adversaire. Ça n'a pas fonctionné à l'instant. Et c'est un ballon pour Nantes avec ce bon ballon dans la verticalité. On repasse derrière. Baldé qui dépasse la médiane. Et la mauvaise passe. La mauvaise passe de Baldé, il y a quelques maladresses, qui est normal. On a un terrain quand même qui est beaucoup plus petit qu'en vrai football. Ça demande quand même une technique irréprochable, hein. Pierre, le futsal. Hein. C'est un peu plus facile. C'est pour ça qu'on dit que c'est une façon royale d'apprendre à jouer au foot. Hein. Les Brésiliens, Brésiliennes passent par là. Parce que à partir du moment où la surface est plane et que le ballon est anti-rebond, c'est plus facile d'apprendre à jouer au foot. Donc les Némer en compagnie ont tous passé par le futsal. Oh, attention, la possibilité d'égaliser là, non. Parce qu'il y a Flavie Papin qui est parfaitement sorti, qui a bien anticipé. Et Chassieux se porte très très bien dans cette seconde période avec un tir lointain. Encore une fois, Flavie Papin qui intervient parfaitement. Vous avez connu d'ailleurs, Pierre, me semble-t-il, l'actuel joueur de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder. Oui, je l'avais en sélection il y a 10 ans, effectivement. Il jouait à Garges en futsal et c'est là qu'il a été repéré par le club de Toulouse. Il a été international 6 fois à l'âge de 19 ans. On parle d'un joueur à la très très bonne technique. Effectivement, il n'y a absolument rien à redire sur le niveau technique de Wissam Ben Yedder qui est devenu avec les années un redoutable buteur, que ce soit avec Toulouse, que ce soit avec Monaco, avec Séville en Espagne. Il y a beaucoup de pays où le futsal est un passage obligé, hein, parce que ça vous apprend techniquement et tactiquement comment jouer, quoi, hein. Les Iniesta, Xavi en parleraient mieux que moi, hein, donc, et tous les Brésiliens, quoi. C'est pas juste pour les dribbles, pour la technique, hein, c'est aussi pour ça développe surtout l'intelligence de jeu, hein. Ah, long ballon, il reste 3 minutes. Allez, 3 minutes tout pile dans cette finale féminine entre Nantes et Chassieux. Toujours 1-0 pour les Nantaises avec le but inscrit en première période par Fatoumata Baldé. Les Nantaises toujours en possession du ballon. On va retrouver Fatoumata Baldé. Oh, ça c'est bien fait. La talonnade avec ce tir, cette espèce de pointu là, tenté par Morani Chek qui s'envole dans les airs. Le pointu est un geste du futsaleur. Quand on n'a pas le temps de faire un armé comme au foot, on fait un pointu qui est en fait un geste de vitesse. Le coup franc, c'était bien joué. Quelle belle tentative et quelle belle parade signée Flavie Papin. Enfin, très très bon match d'ailleurs, la gardienne de Nantes aujourd'hui, notamment dans cette seconde période avec plusieurs arrêts déterminants. Mais ce n'est pas terminé, le bon décalage sur le côté droit, ça va être un petit peu trop long, c'est dommage. Le service de Sana Titraoui pour Sofia Abdi. Elles ont haussé leur niveau de jeu quand même en deuxième période, les joueuses de Chassieux, Pierre. Elles jouent plus crânement leur chance, hein. Elles n'ont rien à perdre. Elles ont dû vous entendre là aux commentaires, à mon avis. Elles ont dit, allez, Pierre a raison, on va l'écouter, il n'y a qu'un 1-0. Et il reste allez, un petit peu plus d'une minute et 30 secondes pour essayer d'accrocher, d'aller chercher les tirs au but, la séance de tirs au but, le décalage sur le côté droit, il faut frapper là. Et c'est sur le poteau où c'est arrêté, je n'ai pas bien vu par Flavie Papin. Les Nantais sont un peu partagés entre le fait de conserver le score et d'en mettre en deuxième. C'est jamais facile dans la tête de négocier ces phases-là. La bonne qualité technique pour Meryl Sidia, la remise en jeu avec Titraoui, dommage, la passe un peu longue, encore une fois elle était à destination de Sofia Abdi. Elles n'ont clairement pas été ridicules, loin de là, dans cette finale où elles ne partaient pas favorites, on l'a dit,
les joueuses de Chassieux, mais elles ont la possession depuis quelques minutes. Elles ont des opportunités avec toujours ces ballons un peu trop longs, ces passes pas suffisamment bien ajustées. Nouvelle illustration à l'instant. Vous avez 4 secondes pour jouer. Si l'arbitre estime que vous avez joué le temps, que vous avez dépassé ces 4 secondes, le ballon va à l'équipe adverse. Ce n'a pas été le cas là, le ballon reste pour Chassieux, mais là la prise à 2, il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc pour cette équipe de Chassieux, le coup franc de la dernière chance pour Chassieux. Vous le voyez, il reste 10 secondes désormais. Pour les joueuses de Chassieux, menées 1-0 après ce but inscrit en première période par Fatoumata Baldé. Alors le mur formé de 3 joueuses nantaises, avec notamment Landais. Et la gardienne de Chassieux qui est sortie. Et exactement, la gardienne de Chassieux, la frappe, le pointu et le coup de sifflet final avec Nantes. Nantes qui remporte cette édition féminine de la première Copa Coca-Cola, une victoire sur la plus petite des marges, 1-0, regardez comme elles sont heureuses, le but inscrit en première période par Fatoumata Baldé, supérieure, c'est incontestable en première période, un match qui s'est rééquilibré en deuxième, mais malheureusement pour les joueuses de Chassieux, ces dernières n'ont jamais trouvé l'ouverture, Pierre. On se souviendra de cette journée où les Nantaises vont inscrire comme étant le premier club à remporter une compétition nationale de futsal féminin. Et somme toute méritée sur l'ensemble de la journée puisqu'elles avaient battu Chassieux par 3-0 dans la phase de poule. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a senti un peu plus de crispation. Il n'aurait pas été illogique de voir Chassieux revenir à 1-0. Elles ont eu des opportunités. Hein. Regardez la joie notamment de la gardienne Flavie Papin qui a réalisé en seconde période notamment quelques parades décisives. Beaucoup de joie parce que ça a été un très très long chemin, on vous le rappelle, cette compétition qui a débuté en juin avec des tournois départementaux, ça c'était entre le 26 juin et le 1er août, des tournois régionaux, on en parlait en préambule de cette journée, entre le 21 août et le 12 septembre, et aujourd'hui la phase finale. Il y avait au départ de cette journée de dimanche 12 équipes féminines, 12 équipes masculines, et bien la meilleure c'est l'équipe de Nantes. Enfin, c'est vrai qu'on peut ressentir de la fierté de sortir première d'un tournoi aussi dense avec autant d'équipes. Mais on n'est pas surpris quand on voit la qualité qu'il y a, illustrée notamment par la grande prestation de la gardienne Flavie Papin et Baldé également qui a marqué ce joli but en première période. C'est en tout cas l'équipe la plus spécifique de la journée qui a gagné. Elle s'entraîne toutes les semaines, donc c'est vraiment leur discipline. C'est pas du futsal associé ou ce serait des footballeuses qui feraient ça à côté. Hein. Donc c'est leur sport et donc elles ont montré qu'en le pratiquant régulièrement, on pouvait vraiment avoir une spécialité de l'excellence dans le domaine et de l'efficacité du coup. Dans quelques instants, on reste ensemble évidemment, dans quelques instants c'est la finale masculine que nous allons suivre entre d'un côté Rennes, de l'autre côté Toulon. Même règle que sur la finale féminine, 2 fois 8 minutes, le chronomètre n'est jamais arrêté. Avant cela, une courte respiration et puis on se retrouve évidemment au Centre National du Football à Clairefontaine pour la deuxième et dernière finale de la journée. A tout de suite.
bienvenue pour le deuxième épisode de Planète Futsal. De retour en compagnie de Pierre Jacky, ancien sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2021, pour le dénouement de cette première édition Copa Coca-Cola, ce tournoi d'envergure. En ce qui concerne le futsal, évidemment, on s'est régalé depuis le début de la journée. On s'est régalé sur la finale féminine. On espère que vous étiez avec nous il y a quelques minutes. Victoire de Nantes 1-0 contre Chassieux. On va maintenant rentrer de plein pied dans cette finale masculine qui va opposer l'équipe de Rennes en rouge, évidemment, et l'équipe de Toulon en gris. Affiche alléchante, Pierre. Affiche masculine particulièrement alléchante ce dimanche. Avait battu Rennes 1-0. Cette poule, il y avait également Bastia, Châteauroux, Dijon, Toulouse. Et le tournoi masculin était très 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 disputé. Hein. Il n'y avait vraiment que de très bonnes équipes. Ça jouait sur peu de choses. Toulon, qui on le rappelle, a une équipe en D1 masculine. Hein. Équipe d'ailleurs qui nourrit pas mal d'ambition pour cette saison 2021-2022. Les mêmes règles, on vous le disait précédemment, que sur la finale féminine, 2 fois 8 minutes, il n'y a pas de chronomètre arrêté. Cette finale va s'ouvrir dans quelques instants. Présentation des deux équipes, avec la présentation tout d'abord de l'équipe de, je crois que c'est l'équipe de Toulon qui est présentée. Ils sont en rouge, les joueurs de Toulon. Merci pour le rectificatif, hein, Pierre. C'est vrai que j'avais annoncé Rennes. Alors c'est vrai qu'on se dit que Rennes va être en rouge, mais non, Rennes est bien en gris. Bon, on le voit, hein. Rennes est bien en gris, Toulon en rouge effectivement. Et là, ce sont les joueurs de Rennes donc, qui sont présentés avec ces joueurs de Rennes entraînés par Nofel Benchrir. Oui, qui a monté, que vous connaissez, ce club-là, qui est vraiment voilà, la cheville ouvrière et qui porte le club à bout de bras, qui est titulaire du certificat de futsal performance, qui est notre diplôme le plus élevé, qui est d'ailleurs exigé pour entraîner en D1. Et en D2, parce qu'il y en a quand même que ce n'est pas le stade rennais, mais que c'est le club de Tour d'Auvergne, de Rennes, d'où votre confusion au niveau des maillots. Exactement, c'est pas le stade rennais, c'est Rennes, Tour d'Auvergne, et cette équipe va avoir son mot à dire évidemment dans cette grande finale masculine de la Copa Coca-Cola. Il y a 3 joueurs de l'équipe de France A qui sont venus nous faire un petit coucou. Ronny Zakei, le deuxième meilleur buteur de la saison dernière, qui maintenant joue à Gaza. Ayoub Sadawi, qui est au Sporting Paris. Et puis Mamadou Touré, qui lui aussi qui était à Access et qui est allé à Gaza cette année. Voilà, 3 joueurs d'avenir pour l'équipe A. Et 3 joueurs dont vous pouvez suivre les performances donc cette saison sur futsalzone.tv, parce qu'ils sont tous en D1. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, moi je commentais hier le match de Paris à Casa. Il y avait effectivement la grande première sous cette nouvelle couleur de Ronny Zakei, qui avait marqué 26 buts l'année dernière avec Garges. Garges malheureusement rétrogradé
de manière extra-sportive, si j'ose dire, pour ce club que l'on apprécie depuis de longues années. Le début de cette finale avec un coup d'envoi donné par les joueurs de Rennes. C'est parti pour cette finale masculine. 2 fois 8 minutes pour aller chercher le trophée, cette première édition de la Copa Coca-Cola. Ballon pour le moment pour les Rennais avec cette longue relance du gardien de but, la déviation et l'occasion peut-être de marquer un premier but. Le ballon en retrait, la frappe, ça passe juste à côté. Les Rennais très bien rentrés dans cette finale avec cette première occasion. Grosse intensité effectivement hein, tout au long de la journée. Ces deux équipes ont vraiment mis beaucoup de rythme dans leur match. On passe derrière du côté de Toulon. Récupération rennaise. On repasse par le gardien de but, Antoine Cantric. Ah, il est là, Antoine Cantric. Le ballon sur le côté gauche. Il y a de la qualité technique avec cette belle accélération. Là, la belle intervention défensive également de Celso Sanson. Système de jeu en 1-2-1. Avec un pivot devant du côté de Rennes. Qui entend aussi ce qu'on appelle du 4-0 où tout le monde revient dans la zone médiane pour tour à tour se projeter dans le dos des défenseurs. Relance du gardien du Gébelin avec Yacine Bouachba. Bonne passe là dans la verticalité, même s'il y a une bonne défense d'Atik Anefta. Pas beaucoup de possibilités pour Celso Sanz qui a trouvé un coéquipier qui tente un geste un petit peu compliqué. Mais il y a toujours un joueur qui est resté en couverture hein, du côté de Toulon. Ouais, un petit peu d'observation comme ça. En ce début de match, on ne prend pas trop de risques, on s'observe. Mais pour l'instant, c'est Rennes qui a un peu plus la possession, alors que dans la phase de poule, ils avaient été battus par Toulon 1-0. On a l'impression qu'ils ont tiré le son un petit peu de cette défaite. Le coup franc a été vite joué par l'intermédiaire d'Atik Anefta. Vite sur le pivot. Hein, comme bien système en 3-1, où on essaye de trouver un pivot en profondeur qui essaye soit de se retourner pour tirer, soit de remiser sur un joueur lancé. Otman Kelich, numéro 10 du côté de ce club de Rennes, Tour d'Auvergne, qui va effectuer cette remise en jeu dans quelques instants. Kelich, de nouveau en possession du ballon, ils essaient de développer leur jeu avec Antoine Cantric. Et du mal à récupérer le ballon pour les Toulonnais, peut-être sur cette action de jeu. Il n'y a pas eu de faute, mais là il est esselé le joueur de Toulon, obligé de repasser derrière, Bouachba pour Celso Sanz. Il touche beaucoup le ballon depuis le coup d'envoi. Là. Joli jaillissement du joueur de Rennes. La petite talonnade fait vraiment intelligemment. Et on revient à la faute d'un joueur de Toulon. Un peu sevré de ballon les Toulonnais dans cette première période. Oui, ça va pas plaire à Taïeb Beguloum qui est le coach des coachs toulonnais depuis pas mal d'années, un fidèle du club de Toulon. Ça va faire plaisir à Sassi Ben Nasser que son équipe soit présente également au niveau de son équipe seconde, hein, puisque l'équipe première a joué hier contre... Oh, superbe la passe et l'ouverture du score. Je me permets, Pierre, de vous couper parce que cette action, elle est absolument somptueuse avec un ballon parfaitement dosé et ce dans premier but inscrit par Celso Sanz. Ouais. Dans le dos de la défense. La passe est signée Ciaré Padalinski. Le voici le numéro 3. C'est un modèle du genre et Sanz, on va le revoir sur ce ralenti. Regardez, avec ce ballon piqué, n'a plus qu'à conclure 1-0. Contre le cours du jeu, il faut quand même un petit peu le reconnaître. 1-0 donc pour Toulon face à Rennes, Tour d'Auvergne. Ça fait un peu le scénario du match de ce matin où les Toulonnais l'avaient emporté 1-0. Eh bien, pour le moment, c'est le même score. Donc, s'il reste beaucoup de temps, 3 minutes et 30 secondes, notamment dans cette première période, la bonne intervention du capitaine Rennais pour empêcher Celso Sanz de venir récupérer ce ballon, lui le premier buteur
après 6 minutes dans cette première mi-temps. Sans ce que l'on retrouve pour effectuer la remise en jeu avec ce ballon sur le côté gauche, la remise en jeu de nouveau pour le club de Toulon Elite Futsal. Pourrait faire un parcours sans faute. Aujourd'hui, il faut toujours continuer. Il faut continuer à développer du jeu. Attention avec l'interception de Anefta avec l'égalisation. L'égalisation pour Rennes. Attic Anefta quasiment coup sur coup hein, après l'ouverture du score de Celso Sanz. La réaction instantanée de la formation rennaise. Avec un pointu, hein, comme souvent. Geste de vitesse devant le gardien de but. Eh bien voilà une finale particulièrement plaisante, partie sur les chapeaux de roue déjà deux buts. Il reste 2-28 cette première période, l'ouverture du score pour Toulon, l'égalisation il y a quelques instants de Rennes. Et ce ballon conservé un petit peu difficilement là par Toulon avec Bouachba, Smouni, Padalinski. Padalinski dans la profondeur, c'est directement sur un joueur de Rennes mais récupéré par Sanz. Qui repasse derrière avec ce bon ballon peut-être et cette belle sortie du gardien. Toulon essaie souvent de jouer en 4-0, c'est-à-dire avec 4 joueurs qui se retrouvent proches de la ligne médiane pour plonger dans le dos des adversaires et avec une passe en diagonale, arriver donc à piéger les adversaires dans leur dos. Ça fait la deuxième fois qu'ils ont failli marquer. On voit le pressing là haut effectué par les. Joueur du club de Rennes Tour d'Auvergne avec ce ballon pour Bouakta dans la profondeur. Antoine Kantrick qui avait été recherché, ça ne donnera rien, ce sera un ballon rendu au gardien de but de Toulon, Thibaut Dubois qui vient de rentrer en jeu. Padalinski aime bien c'est comme ça allonger le jeu hein. C'est vrai que c'est lui qui était le passeur décisif hein, sur le but il y a quelques minutes de Celso Sanz. Oui, essayer d'attirer les adversaires pour jouer dans leur dos, alors, une fois de plus, soit par une passe lobée, soit par une passe en diagonale. C'est cette tactique en 4-0 qui essaye de. Attention avec ce ballon sur ce tir sur le poteau. Il y avait une très très belle occasion là avec ce 1-2 qui a parfaitement fonctionné avec Antoine Kantrick. Et le tir sur le poteau pour Rennes, on n'était pas loin là du deuxième but pour la formation rennaise. Match très équilibré pour l'instant. Super finale, ouais. Super finale. Et alors là, intervention de l'arbitre pour un tir à 10 mètres. Tout à fait. Pour donc, Rennes. Sur une période de 2 fois 8 minutes, nous avons décidé à partir de la troisième faute directe d'accorder un pénalty à 10 mètres. Sans mur, on le précise. Sans mur, mais le gardien a le droit de sortir jusqu'à 5 mètres. Exactement, et le gardien va s'interposer. Ce sera un coup de pied de coin. Ça arrive dans le championnat de France à partir de la 6e faute. Exactement. Et donc, c'est à partir, là, vous avez dit, de la 3e. La 3e faute, parce qu'on joue en 2 fois 8 minutes avec le chrono en plus de ça non arrêté. C'est la fin de la première période dans cette finale masculine entre Rennes et Toulon. Un but partout, l'ouverture du score et bien de Celso Sanz pour le Toulon Elite Futsal. L'égalisation 2 minutes après, signé Attic Anefta. Pause de 3 minutes. On reste ensemble évidemment et on va suivre la deuxième période, le clou du spectacle. Parce que c'est la dernière finale que l'on vous montre évidemment. Que l'on vous propose ce dimanche pour le dénouement, cette Copa Coca-Cola. Si vous n'étiez pas avec nous, Nantes s'est imposé lors de la finale féminine en s'imposant contre Chassieux sur le score 1-0. Et pour le moment, un but partout entre Rennes et Toulon. Une finale, Pierre, qui tient toutes ses promesses pour l'instant. Hein. Oui, tout à fait. Okay, équilibré. Rien à dire. On aperçoit l'entraîneur de Toulon, hein, Taïeb Belghidoum, que vous citiez tout à l'heure. La mi-temps est importante pour passer les consignes, d'autant plus que vu le nombre de matchs qui sont disputés tout au long de la journée, nous n'avons pas accordé de fameux temps morts dont disposent les entraîneurs en futsal, dont un par mi-temps. Hein, donc il peut y en avoir jusqu'à 4 sur l'ensemble d'une rencontre. Là, les temps de jeu étant réduits, ils n'ont pas de temps mort. Donc il faut vraiment qu'ils profitent de cette période de l'habitant pour passer les consignes pour rectifier le tir
Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait tous les deux. Enfin, c'est ce qu'on a bien vu. Coup d'envoi imminent, 17h39. Coup d'envoi imminent de cette deuxième période dans cette finale entre Toulon et Rennes. Un but partout pour le moment. On est reparti sur cette finale, la deuxième période. Un but partout entre Rennes et Nantes. Les Toulonnais, cette fois-ci, sont côté gauche. Les Rennais, donc en gris, côté droit, avec ce ballon pour le numéro 3, Ciaré Padalinski, buteur, passeur décisif sur le but en première période de Celso Sanz. Bouktab avec Antric. Bouktab, attention, ne pas jouer avec le feu évidemment lorsque vous êtes proche de votre surface de réparation. Sanz, on a vu sa classe, son élégance depuis le coup d'envoi de cette finale. Celso Sanz, au-delà de son but, le voici, le numéro 5 de Toulon. C'est Thibaut Dubois qu'on retrouve pour la remise en jeu. Ce ballon dans la surface de réparation pour le pivot, c'est bien défendu. Antoine Kantrick repasse derrière pour ne pas prendre de risque. On va repasser certainement par le gardien. Non, finalement, un long ballon qui va arriver à destination. Mauvais contrôle malheureusement pour Otman Khelif. Un allonge de jeu, la déviation de la tête pour retrouver Celso Sanz. Qui garde un petit peu le ballon, joue sur le côté gauche, Padalinski. Il va repasser derrière, là on n'a pas très très bien joué le coup côté toulonnais, le contre pour Rennes avec ce décalage. Et le deuxième but, une action d'école et la conclusion d'Antoine Kantrick qui permet à Rennes de mener désormais sur le score de 2 buts à 1. Belle finition. Sur un décalage parfait signé Otman Khelif. Eh bien, ils ont réussi à renverser complètement le cours de ce match. Les joueurs de Rennes, ils étaient menés 1-0, on le rappelle, après le but de Celso Sanz. Ils mènent dorénavant 2-1 grâce à Tika Nefta et donc Antoine Kantrick. La réaction peut-être pour Toulon. Sanz. Ça défend bien du côté de Rennes et ça provoque ses... quelques approximations avec cette mauvaise transmission à l'instant de Saïd Smouni, le numéro 7. Padalinski qui récupère avec la frappe qui vient d'être contrée. Antman Khelif, passeur décisif sur le but à l'instant. Antman Khelif, le numéro 10, qui va servir de nouveau son coéquipier sur le côté droit. La frappe qui va passer à côté, une tentative de Mohamed Khelif. Encore un pointu. Oui, il y en a beaucoup, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un geste que l'on voit très régulièrement en futsal. Bien fait là. Très très bien fait de la part de Sanz. Oui, on joue beaucoup avec la semelle pour bien voir le jeu. Hein, parce qu'un bon futsaleur voit ce qui se passe tout le temps. On va tout le temps voir tous ses partenaires, tous les adversaires. C'est pour ça aussi que beaucoup de footballeurs sont passés, de footballeurs sont passés par le futsal pour apprendre à bien lire le jeu. La prise d'information est vraiment, vraiment beaucoup sollicitée au futsal. La frappe de loin, peut-être, elle passe de peu à côté. Là, une très belle tentative signée Felipe de Souza Franco qui vient de faire son apparition sur le terrain. Le coup de pied de coin avec un tir soudain là aussi. Encore une fois de Souza Franco. Il y a en tout cas une vraie belle réaction de la part des hommes de Tayeb Belguidoum. Beaucoup d'occasions. Hein. Ouais, beaucoup d'occasions, mais le chrono qui continue de s'égrener. 4 minutes, 4 grosses minutes encore à jouer dans cette finale. Il n'a pas réussi à s'emmener ce ballon à Tika Nefta. Premier buteur rennais tout à l'heure. Et la faute commise sur Celso Sanz, véritable maître à jouer dans cette équipe de Toulon, et que l'on retrouve sur le côté droit. Il va obtenir la remise en jeu, Sanz. On
repasse derrière avec des Souza Franco. Il vient d'éliminer un joueur qui va servir sur le côté droit. Padalins qui est dans la surface de réparation. Excellent retour d'Antoine Kontrick. Il y a un 3 contre 2 à négocier maintenant pour cette équipe de Rennes qui va inscrire ce troisième but avec le doublé d'Antoine Kontrick. Le trophée se rapproche encore un petit peu plus pour les joueurs de Rennes-Tourne d'Auvergne. Oui, des contres rondement menés. Mais c'est pas fini. En futsal, tout peut arriver très vite. Tout se passe dans les buts. C'est des émotions et des sensations qui sont démultipliées. Eh bien, il reste 3 minutes. 3 minutes à Toulon pour essayer de revenir. Et d'aller arracher dans les derniers instants une séance de tir au but. Et tous les noms ont sorti leur gardien de but. Oui, c'est ce qu'on appelle le power play. Hein. Donc, c'est le gardien volant. On essaye de profiter d'un surnombre. Bien sûr, à ce moment-là, votre but est vide. Donc, il ne faut pas se faire intercepter. Et voilà, mais oui, mais ça peut marcher. Et oui. Un ça peu comme handball. Exactement, un peu comme au handball. Une supériorité numérique qui va permettre, donc, grâce à Padalinski, hein, Ciaré Padalinski, eh bien de réduire l'écart et de revenir à 3 buts à 2. Alors ils peuvent décider de repasser de remettre leur gardien, hein. Exactement. On le rappelle, exactement. Est-ce que c'est chose faite? Changer autant de fois que vous voulez. Attention avec est-ce qu'il y a pénalty là? Je pense qu'il donne pénalty. Il donne pénalty l'arbitre, oui, il donne pénalty à moins de 2 minutes de la fin de ce match. Ah, c'est rageant parce qu'il venait de revenir à 3-2 grâce à Sierre et Padalinski. C'est donc un pénalty maintenant pour Atik Anefta à 1 minute et 40 secondes de la fin de cette finale. Là, c'est un pénalty crucial. Anefta pour marquer le quatrième but. La parade en deux fois, en deux temps. Il s'y reprend. Atik Anefta, il s'offre le doublé et permet à Rennes de mener 4-2. Et c'est malgré tout pas fini. On est devant les buts tout le temps au futsal, tout peut se passer. Alors là, il faut être quand même ultra réaliste. Hein. Voilà, vous en conviendrez, Pierre. Là, il va pas y avoir. Le chrono ne s'arrête pas, c'est ça le problème. Hein. C'est pas une 10 d'habitude, entre guillemets. Mais les actions vont très vite. Mais les actions vont vite, ça, vous avez tout à fait raison. Et on peut pas faire tourner le ballon aussi lentement que d'habitude. Voilà, aussi précisément, il faut aller un peu plus vite quand même. À partir du moment où le chrono n'est pas arrivé. Oh, bien fait le geste technique avec la superbe finition. Vous avez raison, c'est pas terminé. Celso Sanz qui lui aussi s'offre un deuxième but. Regardez ce geste là, la talonnade. C'est un geste remarquable qui permet au Toulonnais de revenir à 4-3. Il reste 35 secondes. 4-3, vous voyez, en deux fois 8 minutes. Le chrono pas arrêté, 4-3. Vous voyez, ouais, quand tout se passe devant les buts, c'est spectaculaire. Hein, il y a beaucoup d'actions de but, beaucoup de tirs, beaucoup de buts. Hein, c'est ce qui fait vraiment une des forces et des attractions du futsal. Ça fait un but, on a un but toutes les deux minutes, hein, grosso modo, ouais, sur cette finale. Donc c'est vrai que c'est très spectaculaire et on a une belle petite avalanche de buts. Attention, le cinquième, non. On essaye de gagner du temps, il reste 5 secondes. Il reste une occasion, possibilité pour l'équipe de Toulon. C'est terminé, le coup de sifflet final et la victoire pour Rennes Tour d'Auvergne. Qui s'impose face à Toulon sur le score de 4 buts à 3. Finale extrêmement spectaculaire, riche en buts. Vous le soulignez à l'instant, Pierre, 7 buts au total, 4 buts à 3. Ils ont été menés à 1-0, les Rennais, et ils ont su être réalistes pour s'imposer dans cette finale masculine. J'espère que ce sera un bon coup d'élan pour le futsal en Bretagne, qui a mis un peu de temps à démarrer, qui avait un petit temps de retard il y a une dizaine d'années et qui est en train de pointer le bout de son nez. Alors, remise des récompenses dans quelques instants. Nous restons ensemble. Je voulais également mettre en valeur le revêtement. Donc, pour les amateurs de futsal, sachez que ce type de revêtement, c'est un dallage plastique. Et pour tous les plateaux en macadam qui sont souvent inutilisés dans les collèges, les écoles primaires, les lycées, ben pour quelques 30 000 euros, 40 000 euros, vous pouvez avoir ce revêtement-là qui va vraiment réhabiliter
votre plateau, hein, on disait plateau de handball, mais qui sont plus vraiment utilisés, tout le monde a peur de tomber. Donc c'est vraiment on va dire un outil pour moi très intéressant. Hein, quand on sait qu'un gymnase coûte souvent 3-4 millions, ce type de revêtement 100 fois moins cher peut être intéressant, je pense, à plus d'un titre dans des établissements scolaires, pour les municipalités, pour les clubs de foot qui ont une surface à côté pour pouvoir travailler les jours réduits. Je pense que ça peut être un outil pédagogique d'avenir. Précision importante. Pierre, merci à vous. Effectivement, c'était important d'évoquer tous les paramètres. D'autant plus que la fédération, par le biais du FAFA, aide financièrement la construction de ce type de revêtement. Les vainqueurs, la remise, des récompenses dans quelques instants, avec la victoire, on vous le rappelle, lors de la finale féminine donc de Nantes 1-0 face à Chassieux, et la victoire il y a quelques minutes dans la finale masculine de Rennes 4-3 face à Toulon. On va marquer de nouveau une petite respiration et on se retrouve juste derrière pour le protocole, hein, et on va récompenser notamment le meilleur buteur, meilleur gardien, meilleure gardienne, tout cela dans quelques minutes. Allez, on se retrouve ici au Centre National du Football Clairefontaine avec ces deux finales, finale masculine et finale féminine, avec la cérémonie, la remise des récompenses. Je voulais remercier avant cela Pierre Jacqui, ancien sélectionneur de l'équipe de France, responsable de l'ensemble des sélections futsal. On va vous libérer, merci infiniment Pierre, c'est bon, d'avoir été avec moi. Merci pour ce coup de projecteur sur le futsal, discipline en plein essor. Merci, j'espère qu'on se souviendra de cette journée comme une date historique pour le lancement du futsal outdoor et du futsal féminin. Bonne continuation, on aura plaisir à se revoir Pierre. Merci infiniment en tout cas pour votre passage. Retour de nos amis qui avaient réalisé un magnifique show freestyle tout à l'heure. On va se quitter dans quelques minutes, mais on va assister effectivement à la remise des récompenses juste après ce nouveau show qui vous est proposé. Oh, yeah.
entend bien effectivement quelques applaudissements. Ce deuxième show freestyle que viennent de nous proposer ces trois jeunes très talentueux. C'est le moins qu'on puisse dire, on s'en est rendu compte tout à l'heure avant la finale féminine. Finale féminine remportée par Nantes 1-0 contre Chassieux. Finale masculine remportée par Rennes 4-3 il y a quelques instants. Face à Toulon, on va découvrir, on va féliciter, remettre le trophée au grand vainqueur dans quelques petites secondes. Évidemment, pour cette première édition qui restera marquée dans l'histoire du futsal tricolore. On en parlait il y a quelques instants avec Pierre Jacquy, l'ancien sélectionneur des Bleus entre 2004 et 2021. Le voici, ce trophée. Hein. Deux trophées, évidemment. Trophée pour l'équipe masculine. Et un trophée pour l'équipe féminine. Première fois, on vous rappelle, et on le disait avec Pierre Jacquy, la toute première fois qu'il y ait une compétition ouverte aux joueuses, hein, aux athlètes féminines. Alors, meilleur gardien, meilleure gardienne. Tout de suite les titres individuels, les récompenses individuelles pour commencer. Ah, le speaker qui rappelle évidemment l'importance du poste de gardien de but en futsal, et ça Pierre Jacquy nous le disait très bien. C'est vrai qu'ils sont extrêmement sollicités, les gardiens de but, les gardiennes également. Il y a eu de grands gardiens en futsal, et le trophée qui va être remis dans quelques petites secondes. Voici la meilleure gardienne du tournoi féminin, récompensée par le speaker, la gardienne de Chassieux, qui est donc récompensée à l'instant. Voilà la récompense pour Rosilo. Voilà, Candela Rosilo, elle était en finale. C'est le gardien de Toulouse. Meilleur gardien. Vous entendez le speaker, le gardien de Toulouse, Florent Doisy. Le voici, auteur d'un dimanche particulièrement convaincant. C'est vrai qu'il y a eu énormément de très très bons gardiens, Florent Doisy notamment, et René Rostand qui a été extraordinaire tout au long de la journée. On a eu des parades spectaculaires tout au long de ce dimanche, mais c'est Florent Doisy qui a été préféré effectivement à Maître Rostand. Et donc voilà la récompense avec ce trophée individuel. Donc on vous le rappelle, hein. Meilleure gardienne, Candela Rosilo de Chassieux. Meilleur gardien, Florent Doisy du club de Toulouse, Futsal Club. Un seul club toulousain, j'en profite pour vous rappeler, dans le championnat de France en D1 de futsal, hein, avec l'USJ Toulouse, qui a d'ailleurs l'UJS Toulouse, qui a particulièrement bien débuté sa saison en s'imposant dans le 19e arrondissement de Paris face à Paris à Casa. Meilleur buteur, meilleure buteuse. Désormais, on va commencer par la meilleure buteuse.
honneur aux dames, évidemment. La meilleure buteuse, on l'a vu en finale il y a une petite heure avec cette équipe de Nantes. Il s'agit de Fatoumata Baldé. C'est la seule joueuse à avoir marqué en finale lors du court succès 1-0 de Nantes face à Chassieux. Elle a été rayonnante tout au long de cette journée. Fatoumata Baldé, 8 buts inscrits dans cette phase finale aujourd'hui. Sous les yeux, hein, vous l'avez vu, de Paige Guyot, présidente de Coca-Cola France, sous les yeux également de Philippe Lafrique, membre du comité exécutif de la Fédération française de football en charge du futsal. La voici, Fatoumata Baldé, donc 8 buts inscrits avec le club de Nantes Métropole Futsal. Le meilleur buteur dans quelques petites secondes. Le meilleur buteur évolue du côté de la LF Futsal. Il a marqué 5 buts ce dimanche. Geoffrey Solaris. Où est-il ? Il n'est pas là, Geoffrey Solaris. Peut-être va-t-il apparaître soudainement. On essaye de le chercher. En tout cas, c'est le meilleur buteur du tournoi masculin. Il a marqué 5 buts dans cette phase finale qui regroupait, on vous le rappelle tout de même, 12 équipes féminines et 12 équipes masculines, 12 équipes féminines. Meilleur joueur, meilleure joueuse. Philippe Lafrique, on vous en parlait, un membre du comité exécutif de la Fédération française de football en charge du futsal. Vous l'avez entendu si vous étiez avec nous à partir de 16h30. Alors, meilleure joueuse, eh bien, ce n'est autre que Fatoumata Baldé qui fait le doublé, hein, qui reçoit deux récompenses. Aujourd'hui, elle est même ovationnée, Fatoumata Baldé, meilleure buteuse, 8 buts, et donc sacrée meilleure joueuse de la compétition. Elle a tout gagné aujourd'hui, hein. Elle a véritablement tout gagné. Félicité, notamment par Philippe Lafrique. Alors, on va faire la petite photo sympathique. Elle a effectivement beaucoup de talent à revendre, Fatoumata Baldé. Avec cette équipe de Nantes, c'est donc celle qui est sacrée meilleure joueuse de cette phase finale de la Copa Coca-Cola. Ah, meilleure buteuse, meilleure joueuse, comme le rappelle le speaker ici au Centre National du Football à Clairefontaine. Meilleur joueur, Jamal Zamri de l'AS Avion Futsal, donc qui est récompensé par ce titre honorifique. Il n'est pas là, on ne trouve pas Jamal Zamri. Ne va pas pouvoir recevoir son trophée, ou ce sera pour un petit peu plus tard. Meilleur joueur sacré, meilleur joueur de cette compétition, donc Jamal Zamri. Juste après, on fera la remise des médailles pour les finalistes. On va attendre juste que voilà, monsieur. Il est bien là, on l'a retrouvé quand même, le meilleur joueur du tournoi se devait d'être là. Jamal Zamri de l'AS Avion Futsal. Récompensé à son tour,
auteur d'un tournoi étincelant, félicité par Philippe Lafrique. Petite photo, les flashs qui crépitent. Et ce trophée à ramener à la maison. Donc. Pour ce joueur de l'AS Avion Futsal, qui a beaucoup de joueurs talentueux, hein, avec Jamal Zari, Yassine Damani ou encore Atman Aziz. C'est vrai que c'est une équipe qui ne s'est pas hissée en finale, mais qui a fait quand même un tournoi convaincant. Et récompense collective maintenant, hein. Récompense pour les finalistes, récompense pour les vainqueurs aussi. Voici la présidente de Coca-Cola France, hein, que vous apercevez au centre de l'image avec ce t-shirt à l'effigie de, voilà, vous le voyez au centre de l'image, de Paige Guyot, que vous aviez entendu entre 16h30 et 17h, l'équipe de Chassieux, donc finaliste du tournoi féminin, battue 1-0, sans démériter, loin de là. Elles ont été assez nettement dominées lors des 8 premières minutes. Lors de la première période, ça a été beaucoup plus compliqué dans le deuxième acte. Beaucoup de satisfaction, hein. beaucoup de satisfaction pour ces jeunes joueuses qui déjà ont gagné tellement de rencontres, hein, passé par la phase départementale, passé par la phase régionale. C'est un tournoi qui a débuté en août, on vous le rappelle, qui a duré près de 3 mois. Donc quelle satisfaction est effectivement d'arriver, de se hisser jusqu'à la finale, même si vous perdez avec les honneurs qui plus est 1-0, on le rappelle, face à Nantes. Une belle médaille donc pour les Nantaises qui se sont imposées effectivement avec la meilleure joueuse, notamment la Nantes Métropole Futsal, qui remporte ce tournoi féminin. Parcours tout au long de la journée, elles ont été les favorites, elles ont assumé ce statut. Les Nantaises, c'est vrai, portées par une Fatoumata Baldé absolument incroyable, meilleure buteuse, meilleure joueuse de ce tournoi. Et elles vont poser en vainqueur avec ce joli trophée remis par Paige Guyot, la présidente de Coca-Cola France. Et voilà une bien jolie célébration pour ces jeunes joueuses, pétries de talent évidemment, qui se sont imposées donc 1-0 en finale. Nantes en or, Chassieux en argent, si j'ose dire, en deuxième position de ce tournoi féminin. Coca-Cola qui soutient le football amateur depuis des années.
belle récompense, et c'est ce que l'on disait tout à l'heure avec Pierre Jacquy, hein. Dotation pour chaque club, belle dotation pour chaque club qui a remporté le trophée aujourd'hui. 10 000 euros donc pour le club de Nantes Métropole Futsal, destiné à financer un projet de développement du club. Voilà une bien belle récompense après ce dimanche qui devrait rester dans les têtes de chacune de ces joueuses. Et c'est la même récompense également pour le club masculin qui s'est imposé pour avoir dans quelques instants Rennes, Tour d'Auvergne. L'équipe bretonne qui a battu Toulon 4 buts à 3 à l'issue d'une finale que vous avez suivie avec nous il y a quelques minutes, avec les analyses pointues de Pierre Jacquy, qu'on vous remercie hein, une nouvelle fois. Et la meilleure joueuse qui est là, sous les feux des projecteurs, Fatoumata Baldé. L'équipe qui s'est inclinée en finale dans le tournoi masculin il y a quelques minutes, le club de Toulon, se sont accrochés jusque dans les tout derniers instants et ils ont donc cette jolie médaille pour récompenser un formidable parcours, même s'ils ne sont pas allés au bout. Les joueurs de Toulon, un petit chèque, et oui quand même un petit chèque avec Paige Guyot, la présidente de Coca-Cola France. Et la deuxième place donc pour Toulon. Il y avait plus fort que Toulon aujourd'hui. C'est le club de l'équipe de Rennes, Tour d'Auvergne, qui s'est imposé donc 4 buts à 3. Ils étaient menés 1-0 dans cette finale, ils ont pris le large 3-1 puis 4-2, mais à chaque fois ils restaient sous la menace de Toulon, mais ils ont réussi à avoir le dernier mot et à donc s'imposer 4 buts à 3, avec notamment un doublé d'Antoine Kantrick dans ce match. D'ailleurs deux doublés, hein, Antoine Kantrick et Atik Anefta qui a marqué notamment un but sur pénalty. La plus belle des médailles pour l'ensemble de l'effectif. On peut les rappeler d'ailleurs avec Alexander Bourras, Sotman Kelif, Mohamed Kelif, Antoine Kantrick, auteur d'un doublé, je vous le disais en finale, Atik Anefta, Mohamed Bouktab, Maxime Lecoq, Tanguy Moraz, qui composait l'effectif de Rennes, Tour d'Auvergne, équipe de grande qualité entraînée par Nofel Benchria. Les voici tous avec cette magnifique médaille autour du cou, le trophée qui va être ramené par Paige Guyot, et cette célébration bien légitime qui va pouvoir avoir lieu. On va d'ailleurs se quitter sur ces magnifiques images. Merci infiniment à la Fédération Française de Football de nous avoir accueillis ici au Centre National du Football pour cette première édition de la Copa Coca-Cola. Il y en aura d'autres, ça c'est certain, parce que ça a été aujourd'hui un probant succès. Merci à toutes nos équipes techniques emmenées de main de maître aujourd'hui par Irénée Rostand ici à Clairefontaine. On espère que vous avez passé un très très bon moment. On le rappelle avant de se quitter, Nantes qui remporte le trophée féminin aux dépens de Chassieux, Rennes remporte le trophée masculin aux dépens de Toulon. 10 000 euros, c'est la dotation donc pour chaque équipe qui s'est imposée. Merci à tous d'avoir été avec nous ce dimanche 19 septembre et on se retrouve très vite avec des événements futsal. Et n'oubliez pas la D1 de futsal masculine à suivre tout au long de la saison sur futsalzone.tv. Bon dimanche, bonne soirée et à tout bientôt. Merci, c'est vraiment pour gagner, on a cette organisation, c'est qui se voulait là.
les hommes de l'ombre, effectivement, qui ont fait un travail énorme pour pouvoir proposer ces heures de compétition, donc c'est vrai, vous avez raison de les remercier. Merci beaucoup. Les garçons, pour récupérer les présentations, ça sera dans la main, donc on dit, et voir le micro maintenant, parce que tout à l'heure, vous avez rentré, il y a une histoire avec nous. Le meilleur buteur, c'était les portiers, et une apparition incroyable. Monsieur Geoffroy Solari, qui est là, le meilleur buteur de la compétition, joueur de la LF Futsal, 5 titres à lui seul dans toute cette compétition. Bravo, Geoffroy. Merci encore à toutes et à tous d'avoir joué ce jeu jusqu'au bout. Et pour nous, c'est la fin de cette édition de la Copa Coca-Cola. On se retrouvera l'année prochaine, je l'espère, et peut-être même vous retrouver. Et j'espère vous voir Rennes du côté masculin et Nantes du côté féminin pour remettre leur titre en jeu. En tout cas, merci à toute l'organisation pour ce travail fabuleux. Et je vous souhaite un bon dimanche. Allez, c'est venu. Bonne fois. Deux journées.